Vous avez travaillé au mois de juillet. Comment? Au mois de juillet, vous avez travaillé. Travaillé où, moi? Je ne sais pas, vous avez déclaré au Pôle emploi avoir eu une activité au mois de juillet. Non. C'est peut-être une erreur de... Attendez, je regarde, c'est peut-être pour madame. Voilà, c'est pour madame qui travaillait, c'est pas moi. C'est pas moi qui travaille. Je voulais bosser, mais bof. C'est bien madame. Madame a travaillé au mois de juillet, mais il ne l'a pas signalé. C'est le Pôle emploi qui nous l'a signalé avec 2 mois de retard. D'accord, ok. Mais bon, le problème, il y a un truc qui m'embête. C'est que c'est elle qui est handicapée ou c'est moi? Mais vous êtes en couple, donc on prend vos deux. Mais moi, je tiens pas à savoir, je suis contre. C'est pour ça qu'il y a eu une manifestation sur ce domaine-là, qu'on a trouvé pas ça normal, mais bon, tout le monde en fout. Comme d'habitude, quoi. Mon activité, c'est comme ça. Vous êtes en couple, il faut aussi. Ouais, d'abord. C'est justement ce que je suis contre, ce système-là. Même les instances sociales, ils étaient contre, mais ça, personne veut entendre. C'est ça qui est un peu dégueulasse, quand même. Mais bon, c'est chiant, quoi. De couple, en gros, ça veut dire, en gros français, ça veut dire que nous, on est obligé de divorcer pour avoir nos droits. Enfin, n'importe quoi. En gros, c'est ça, quoi. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais si, c'est alors, ça. Voilà, vous avez votre explication, monsieur. Ouais, mais bon, c'est. C'est justifié. Moi, je suis pas d'accord du tout. Vous pouvez faire un courrier pour contester si vous le souhaitez. Juste un courrier? Oui. Et je dépose dans la boîte aux lettres ou... C'est ça, vous déposez dans la boîte aux lettres, vous mettez bien votre numéro à locataire dessus. D'accord, ok. Ensuite, ça passera. Parce que je suis sûr, non, c'est bon, faut arrêter ces conneries. Si ça continue, je sens que je vais même demander mon allocation à du handicap au Portugal. Eh oui, parce que nous aussi, on l'a. Je ne le savais pas. J'apprends aussi des choses. Je sais pas, moi je m'occupe juste des droits français. Voilà, on apprend plein de choses, hein, sans le savoir. Ça fait quoi? Ça fait des années que je suis en France et ça fait, même quand je travaillais, j'avais une allocation à du handicap aussi pourrie que ça. Donc ça changera jamais. On est dans un système pourri. Ben, la preuve, avec tous les Français qui sont en train de manifester même. Et c'est pas encore plus, hein. C'est pas encore fait. Ça fait que réveiller. Doucement. Bon, ok. Bonne journée à vous. Hop, c'est bon. Injuste. C'est complètement stupide leur système. En gros, ça veut dire que quand quelqu'un a l'allocation adulte handicapé, il est marié, bah, il est roulé pendu. Il est quoi que ce soit, c'est un peu n'importe quoi. Vraiment, complètement nul leur système. Elle sera toujours nulle. Bah, bref, je vais essayer de faire monter cette vidéo avec l'audio. Parce que c'est n'importe quoi, donc tout simplement. Donc en gros, voilà, tout simplement. Bah écoutez, d'après ce que j'ai compris, je dois écrire une lettre. Pour contester que je suis pas d'accord. Je n'aime pas qu'on supprime mes droits. Donc, on va pas les supprimer. Voilà. Allez. Bon, bah, écoutez. À la prochaine vidéo. Et le montage, bah, je le ferai, tout à l'heure. Allez, salut!